La musique nous fournirait un exemple trop facile et auquel, pour cette raison même, nous ne voulons pas nous arrêter. Impossible ici, de toute évidence, d'imaginer que l'art renvoie à autre chose que lui-même. La musique à programme, qui nous décrit un orage ou même une tristesse, est l'exception. Ici, nous sommes incontestablement en présence d'un art qui ne parle pas. Et cependant, il s'en faut bien qu'une musique ne soit qu'un agrégat de sensations sonores. À travers les sons, nous voyons apparaître une phrase, et de phrase en phrase un ensemble, et enfin, comme disait Proust, le monde d'un musicien, qui est lui-même, dans le grand monde de la musique possible, la région de Bussy ou le royaume Bach. Rien à faire ici que d'écouter, sans retour sur nous-mêmes, nos souvenirs, nos sentiments, comme la perception regarde les choses mêmes sans y mêler nos rêves.